Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo d'information sur Fortnite. On va parler d'infos officielles, on va parler également d'infos venant de leaks, mais c'est important de voir un peu toutes ces informations, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'il y aura le trailer officiel qui sera mis en fin de vidéo pour voir un peu l'information que Fortnite nous a partagée. Alors premièrement, la toute première information qu'on va voir ensemble, c'est au niveau de Galactus. Donc comme vous l'avez vu, Galactus arrive, on le voit sur la map. Je vous mets les images à l'écran. Alors on voit également que Galactus sera disponible en tant que skin. Alors tout d'abord, on va parler de la longueur de l'événement. Il faut savoir que l'événement de Travis Scott avait duré 9 minutes 50 au total. Normalement, ça devrait être basé au niveau de l'audio qui a été trouvé par Lucas7Yoshis dans les fichiers du jeu. L'audio durerait 9 minutes 20, donc on compterait plus ou moins 5 minutes. Et alors pour le combat de la fin, donc réunis 5 minutes également, donc plus ou moins on va dire au gros 10 minutes d'événement. Ensuite, en deuxième information, on a trouvé également des images de Galactus qui sort sa tête de l'eau. Donc du coup ça a été leaké il y a 2 heures au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vous mets le tweet à l'écran. Donc bilan au niveau de Galactus, donc un bonus de 2 images avec le même comparatif de caméra, qui est apparemment à la taille de l'île. Donc clairement, je vous mets les images à l'écran. La première, on voit la tête de Galactus, le bord de son espèce de chapeau. Ensuite, on voit le dessus de Galactus. Et là, on voit en fait tout simplement la vue que lui a de la map. Donc lui, il voit l'entièreté de la map. Donc c'est abusé, il va être géant. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer au niveau de la bataille, mais à mon avis, ça va être immense. Alors au niveau des leaks, on retrouve également apparemment Galactus qui serait disponible sous forme de skin, un très grand skin je suppose. Donc on a ces 2 images premièrement, on a Galactus qui réalise une danse et on a également le profil de Galactus lorsqu'il ne bouge pas dans la boutique, dans un casier. Ensuite on a tout de même une petite vidéo où on a le Planetary Vibe, pardon, donc c'est sûrement une danse qui sera propre à Galactus, donc elle est vachement bien, je vous la fais écouter. Donc voilà, en soi pour moi, si le skin est comme ça, moi personnellement, il me hype pas vraiment du tout, franchement. Mais la danse, elle est super, donc peut-être que la danse, je vais peut-être la choper. Mais pour l'instant, le skin, je le trouve pas tellement ouf. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous pensez du skin? Est-ce que vous le trouvez beau? Est-ce que vous le trouvez claqué? Est-ce que vous aimez bien la danse? Est-ce que vous allez acheter cette danse? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Et ensuite, pour finaliser cette vidéo, je vais tout simplement vous passer le tweet officiel de Fortnite, qui a tweeté « Vous pensez que nous avons suffisamment de cellules gamma ? Galactus arrive le 1 du 12 2020 à 16h, donc 4h de l'après-midi. Donc soyez à l'avance, soyez vraiment à l'avance parce que je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de bouchons au niveau des serveurs, comme on avait eu avec la plupart des événements. D'ailleurs, Travis Scott, j'avais pas su vous le faire en live, justement à cause de ça. Donc soyez présents à l'avance, clairement, mettez-vous devant votre console vers 2h, 1h de l'après-midi et attendez vraiment que l'événement commence. Donc voilà, pour terminer cette vidéo, tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, à liker la vidéo, la partager. Et surtout les amis, je vous laisse sur ce trailer officiel de Fortnite sur lequel on voit un bus rempli de cellules gamma. Donc portez-vous bien, ciao!